Familier. Pendant que Manon et Stéphane visitaient le vaisseau sous la tutelle de Bubule, l'intelligence artificielle du vaisseau, ils se rendaient de plus en plus compte que ils savaient où ils s'en allaient. Tout était familier. Il l'amenait à la cafétéria qui était désaffectée parce qu'il n'y a personne qui mange là présentement. Il savait où étaient placés les trucs, il savait où ce qu'il fallait aller, il savait. Puis, un moment donné, il y a Manon qui s'est levé la tête, elle a demandé à Bubule, est-ce qu'on peut aller voir les passagers? Il dit, wow. Oui, on y allait, bien sûr. C'est là que Bubule les a guidés vers l'endroit où les passagers sont tous installés en suspension temporelle. Un mur complet plein de hublots. Le vaisseau est presque constitué à 100. Ben, beaucoup, beaucoup du vaisseau, en fait, c'est seulement des passagers en suspension temporelle. Ça prend beaucoup d'énergie, mais quand même, tu sais, le vaisseau, il est autonome en énergie, et ça va bien. Manon, elle regarde Stéphane, puis elle dit, elle dit, regarde de ton côté, je vais regarder du mien. Elle regarde d'un bord puis de l'autre, elle regarde chacun des hublots comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. C'est là qu'elle est arrivée devant ce qu'elle pensait, devant ce qu'elle craignait, en fait. Elle regarde Stéphane, elle dit, viens voir Stéphane. Il y a quelque chose qu'il faudrait que tu vois. Dans le hublot, les deux personnes qui étaient en suspension temporelle, enlacées comme des amoureux, c'était Manon et Stéphane. Stéphane perdit connaissance.